France Liédanie. Nous poursuivons notre série d'enchaînements de postures, à nouveau avec une succession de trois postures qui vont vous demander d'être vraiment vigilant au niveau de votre bassin, parce qu'il va falloir que vous teniez bien votre bassin, que vous serriez le ventre pour la posture où on va travailler à partir du demi-pont. Ensuite, vous aurez un travail qui va vous demander d'être attentif entre le mouvement de votre dos et le mouvement de vos bras pour que les deux soient synchro. Alors, je rappelle, il n'y a pas d'objectif, mais ce travail d'attention vous permet vraiment d'être dans la présence à votre geste, dans la conscience de votre corps et dans la justesse de votre souffle. Donc, je vous montre ce mouvement qui est tout simple, mais qui vous demandera d'être un petit peu vigilant. Donc, à un moment donné, on va monter dans la posture du demi-pont en amenant les bras derrière. Et à l'expiration, vous allez dérouler votre dos vertèbre après vertèbre en même temps que vous allez ramener les bras le long du corps. Et ce mouvement, vous allez le faire en commençant à dérouler le dos en même temps que les bras vont décoller du sol par la verticale. Et lorsque les bras arriveront au sol, ça sera en même temps que le bas du dos. Donc ça donne ça. Expiration, je commence à dérouler le bas du dos, je commence à soulever les bras. Je continue à dérouler. Et là. Voilà. Donc ça demande d'être un petit peu attentif. Bon, vous prenez pas la tête non plus, hein, mais c'est, si vous voulez, au fur et à mesure du temps, c'est ce vers quoi vous devez tendre, hein. Et là, si vous voulez, on est vraiment dans un état d'unité et ça va vous amener à augmenter votre conscience corporelle. Voilà, donc on y va pour la phrase. Donc, vous prenez quelques respirations, allongez sur le dos, les deux genoux repliés, plante de pied au sol derrière vos fessiers. Détendez bien le bassin, détendez vos mâchoires. Inspirez, montez dans la posture du demi-pont. Les bras restent au sol, les mains à plat. Expirez dans la posture. Gardez bien le bassin en haut. Voilà, donc maintenez la sangle abdominale serrée, tenez le bassin. Inspirez, tendez la jambe gauche dans l'axe de la cuisse. Le bassin ne bouge pas. Expirez, repliez. Inspirez, tendez la jambe droite dans l'axe. Expirez, repliez. Inspirez, amenez les deux bras par le côté derrière vous. Vous êtes toujours en demi-pont. Expirez, déroulez votre dos vertèbre après vertèbre en amenant les deux bras par la verticale pour qu'ils reviennent le long du corps. Voilà ce qu'on a vu tout à l'heure. Inspiration, pliez les genoux, amenez les bras derrière vous, tendez les jambes vers le ciel, poussez les talons, orteils vers le visage. Expiration, levez la tête, les mains viennent vers les jambes, comme si vous vouliez amener le front aux genoux. Inspiration, repliez les genoux, ramenez les bras étirés derrière vous. Expiration, ramenez les bras par la verticale, le long du corps. Respirez,
Donc, avant de reprendre la phrase, je vais vous proposer de la revoir mentalement dans votre tête. Donc, vous êtes allongé sur le dos, les deux genoux repliés, les bras le long du corps. À l'inspiration, vous montez en demi-pont, les bras restent le long de votre corps. Vous expirez dans la posture. Donc, je dis, vous ne le faites pas, vous le faites mentalement, hein, dans votre tête. À l'inspiration, vous étirez la jambe gauche, c'est-à-dire la partie du genou au pied, dans le prolongement de votre cuisse gauche. À l'expiration, vous reposez votre pied au sol. Inspiration suivante, vous allongez la jambe droite dans l'axe de la cuisse droite. Le bassin ne bouge pas. Vous expirez, vous reposez le pied. Vous inspirez en amenant les deux bras qui passent par le côté comme un éventail qui s'ouvre. Donc derrière vous, inspirez jusqu'au bout des doigts. À l'expiration, on déroule le dos, vertèbre après vertèbre, en amenant les bras par la verticale pour qu'ils reviennent le long du corps. Inspiration, les deux bras partent derrière vous. Pour s'étirer, les genoux viennent sur l'abdomen et vous allongez les jambes à la verticale, talons vers le ciel, orteils vers le visage. Expiration, les deux bras se soulèvent, la tête et les épaules se soulèvent, les mains viennent saisir les jambes là où vous pouvez. Allez au bout de l'expire. Inspiration, les bras repartent. Étirez derrière vous, les genoux se replient, plante de pied au sol derrière les fessiers. Et expiration, vous ramenez les bras par la verticale le long du corps. Voilà. Le fait de travailler mentalement la posture permet de vous repérer dans votre corps d'une autre manière. Et lorsque ensuite vous le faites concrètement, c'est beaucoup plus facile parce que vous êtes dans la mémoire corporelle. Voilà. Et en plus, quand on le fait mentalement, comme on dit, là où va la pensée, va l'énergie. Donc déjà, vous préparez votre corps au niveau énergétique. Voilà, donc on reprend cette phrase une deuxième fois, ensemble. Vous vous allongez, les genoux repliés. Inspirez, soulevez le bassin, demi-pont. Expirez dans la posture. Inspirez, étirez la jambe gauche dans l'axe. Expirez, reposez. Inspirez, étirez la jambe droite dans l'axe. Expiration, reposez. Inspiration, étirez vos bras. Expiration, déroulez le dos, ramenez les bras par la verticale. Fin d'expire, ramenez les genoux sur l'abdomen. Inspirez, étirez les bras, étirez les jambes vers le ciel. Expirez, levez les bras, venez saisir les jambes, amenez le front vers les genoux sans forcer, ce que vous pouvez. Inspirez, étirez les bras, repliez les genoux, plante de pied au sol. Expirez, ramenez les bras par la verticale, le long du corps. Voilà, détendez-vous un petit peu et on va reprendre. Respirez tranquillement, observez ce qui se passe. On y va. Inspirez, demi-pont. Expirez dans la posture. Inspirez, tendez la jambe gauche. Expirez, reposez. Inspirez, tendez la jambe droite. Expirez, reposez.
Inspirez, étirez les deux bras. Allez au bout des doigts. Expirez, déroulez, vertèbre après vertèbre. Ramenez les bras le long du corps. Fin d'expire, amenez les genoux sur l'abdomen. Inspirez, étirez vos bras, étirez les jambes vers le ciel. Poussez les talons au ciel. Expirez, levez la tête et les épaules, venez saisir les jambes. Inspirez, repliez les jambes, posez les pieds au sol, amenez les bras derrière vous. Expirez, ramenez les bras le long du corps. On reprend. Inspire, demi-pont. Expiration dans la posture. Inspire, étirez la jambe gauche dans l'axe de la cuisse. Expire, reposez. Inspire, étirez la jambe droite dans l'axe de la cuisse. Expire, reposez. Inspiration, étirez les deux bras derrière vous. Gardez la posture sur deux respirations. Expirez comme ça. Inspirez dans la posture, expirez, déroulez, ramenez les vertèbres l'une après l'autre, les bras en même temps. Fin d'expire, pliez les genoux sur l'abdomen, étirez les bras vers l'arrière en inspirant, étirez les jambes. Gardez la posture, respirez, expiration dans la posture. Deux ou trois respirations tranquillement. Les orteils vers le visage, les talons vers le ciel. Expirez, levez la tête, venez saisir les jambes. Inspirez, repliez les genoux, posez les pieds au sol, étirez les bras derrière vous. Expirez, ramenez vos bras le long du corps. Et relâchez. Prenez conscience de ce qui se passe dans vos épaules. Sentez votre dos, les épaules, la nuque. Laissez le ventre se détendre. Voilà, et lorsque vous sentez que votre corps est revenu à un équilibre, à ce moment-là, vous pouvez vous étirer, ouvrir les yeux et vous redresser. Prenez toujours le temps, après tout travail, de rester un moment dans l'immobilité pour permettre au niveau des articulations, des muscles, de retrouver donc un équilibre ostéo-articulaire, un équilibre énergétique au niveau du corps, de laisser également la respiration se poser et de prendre le temps de sentir ce qui se passe en vous. Ça, c'est vraiment important, sinon vous êtes dans quelque chose qui est de l'ordre de la gymnastique, qui n'est plus du yoga. Bon, j'ai rien contre la gymnastique, mais ce n'est pas l'objectif. On est vraiment dans cette démarche de yoga, de conscience du corps et d'union du corps et de l'esprit. Voilà, donc vous pouvez me retrouver sur mon site laurencelouilletanet.com. J'ai aussi plusieurs pages Facebook, mais celle en relation avec ce travail, c'est Méditer au quotidien, où vous pouvez laisser des messages et bien sûr, vous pouvez en laisser sur YouTube.
Je vous dis à très bientôt. Belle journée à vous.